En 4 jours à peine, c'est devenu une star. Sur Internet, Tony, le convoyeur lyonnais, est presque incontournable. Des milliers de mots de soutien sur les forums, des dizaines de fan clubs et des félicitations à l'appel pour l'auteur du casse du siècle. Une popularité qui se retrouve aussi dans la vraie vie et dans les rues de Lyon. Bah, j'aimerais bien te rencontrer. Et s'il y a moyen, une petite place dans ton fourgon, tonton, contacte Bingo, ça serait très aimable de ta part. Merci. Les risques qu'il a pu prendre, tous ces trucs-là, bon, ben, il a réussi. Hein ? S'il avait prévu le coup, donc c'est vraiment... Je trouve ça rigolo, quoi. Rigolo, et même un peu plus que ça. Derrière les hommages et les parodies, le convoyeur est en train de devenir un symbole. Une preuve, par exemple, ce site internet qui propose des t-shirts. Des t-shirts à la gloire du fugitif, certes, mais qui dénonce aussi une certaine idée de la société. Tu vois, à l'heure du capitalisme et tout, lui, il a réussi à faire ça. Pourquoi pas nous ? Pourquoi pas nous ? Bon, bah, ce mec, il vous montre un peu ouais, les dérives... Ouais, un peu les dérives du système bancaire, et donc c'est pour ça que les gens, je pense, le suivent. Je sais pas si on va le reprendre, si ça va faire, quoi, pour lui. Il va peut-être quand même payer un peu, quoi. Quand même. Ce soir, avec l'annonce de la saisie d'une grosse partie du butin par la police, les internautes ont immédiatement réagi. La popularité de Tony le convoyeur est un peu retombée, mais un peu seulement. Et les fan clubs, eux, ne sont pas prêts de disparaître.